الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيت الطاهرين، وصلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وعلى علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. أسأل الله الحيدر وعلى فاطمة الزهراء بنت رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. على الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى علي بن الحسين زين العابدين سيد الساجدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد ابن علي باغر العلم بعد النبي. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى جعفر ابن محمد الصادق البار الأمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى موسى بن جعفر. اللهم صل على محمد محمد. وعلى علي بن موسى الرزا المرتزا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى محمد بن علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى علي بن محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى حسن بن علي العسكري. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى حجة القائم المنتزه روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوا على محمد وآل بيته. اللهم صل على محمد وآل محمد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Dans la dernière phrase du deuxième khutbah, je vous conseille, et d'abord je conseille moi-même pour Tarwa. Ibadallah, aussi comme mon nafsi, mais Tarwa Allah. C'est le jour de Eid al-Qurban. Eid al-Qurban, c'est Eid al-Qurbani. Qurbani, ça veut dire quoi? Ça veut dire tuer. Tuer quoi? Tuer mouton. Mais mouton, en fait, pourquoi il faut tuer les moutons? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal, les moutons? Pourquoi on tue les moutons? Parce qu'en fait, on tue notre dépendance, notre désir. Comme le prophète Ibrahim, Khalilullah, salamullah alayha, était dans la rêve, il a vu qu'il est en train d'offrir son fils. Et Dieu lui dit non, c'est bon. On voulait que tu coupes ta dépendance avec ton fils. Parce que tout qui est la dépendance, ça devient comme drogue pour nous. Il faut couper notre dépendance. Et pour cette raison, même dans l'histoire, on voit les fils d'Adam, deux fils, Habil et Qabil, ils ont donné Qurbani. Habil était berger, il a amené un mouton, mais Qabil était agriculteur. Qu'est-ce qu'il a amené? Il a amené quelques bénés, c'est pas grave. Et le jour de Qurbani, c'est-à-dire vous faites Qurbani de votre désir, votre souhait, vous coupez ce qui est dépendant. Et parfois, notre désir, ça peut être notre tasbih. Tasbih, par exemple. Certains gens, ils sont très dépendants de leur tasbih. Vous pouvez lui demander n'importe quoi, il vous donne. Mais si vous dites, est-ce que vous pouvez me donner votre tasbih? Non. Voilà, il a donné.
الحمد لله. صل على محمد وآل بيته. اللهم صل على محمد وآل محمد. Mais certains gens, ils ont dit non, tu peux, je t'achète un tasbih, je fais tout ça, mais tu touches pas mon tasbih, mon sohel. Oui. Parce que pourquoi? Parce qu'il est tellement dépendant de ce tasbih qu'il ne voulait pas. Il y a une personne qui était un zahid. Pendant 70 ans, il faisait prière. Et un jour, le prophète de Dieu, il est passé, il dit, voilà, c'est quel bonhomme, toujours il est en train de faire les prières. Dieu a répondu, écoute notre prophète, ces prières, ça coûte rien. Pourquoi? Parce qu'on regarde, quand il va au sujoud, quand ses barres, ça touche par terre, il est très content. Chaque fois il regarde sa barre, ça touche ou non? Parce qu'il est dépendant de sa grande barre. Parfois on peut être dépendant de notre grande barre. Parfois on peut être dépendant de notre tasbih. Le jour de Qurban, ça veut dire on fait Qurbani, on donne. Qurban, ça veut dire tarif, ça veut dire pour se rapprocher de Dieu. Peut-être aujourd'hui, vous me donnez tasbih, ça, pour que vous coupez votre relation avec votre tasbih, pour vous rapprocher de Dieu. Et le jour de Qurban, c'est pour se rapprocher de Dieu. Et moi je dis, ici peut-être, c'est pas possible pour tout le monde faire Qurbani, mais vous faites quelque chose aujourd'hui. Pour qui? Je dis pas pour n'importe qui. Vous faites pour votre proche. Pour votre proche, je ne dis pas pour étranger, pour les autres, pour n'importe qui. Dans votre famille, il n'y a pas de pauvres. D'accord. Ce n'est pas difficile. Vous mettez 10 euros à côté. C'est vrai, aujourd'hui, il n'y a pas de fête là. Ce n'est pas le jour de fête, mais le jour de Qurbani. Si vous ne pouvez pas égorger un mouton, ce n'est pas grave. Vous demandez à votre frère qui est au Pakistan, vous dites, achète 2 kilos de la viande, tu donnes pour ma cousine, pour mon cousin, qui est pauvre. Voilà. Moi, ce que je vous demande, ça veut dire, aujourd'hui, vous faites quelque chose pour votre famille. Pas pour n'importe qui, même si c'est pas ici, si vous n'avez pas la famille ici, pour votre famille dans les pays, Pakistan, Afghanistan, Iran, Irak. Et même si vous ne voulez pas donner l'argent, c'est pas grave. Vous demandez quelqu'un, il achète de votre part 1 kilo, 2 kilos de viande. Ça, c'est, ça veut dire, vous avez donné quelque chose dans votre cœur pour votre proche. Et ça, c'est un peu dans notre intérêt. C'est pour nous-mêmes. Ça veut dire, pour finir ce khutbah, juste je dis un hadith de prophète. Un jour, le prophète, il a égorgé un mouton. Et donc, après, son épouse, quand le soir, le prophète dit, alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Son épouse, il dit, oui, on a donné toutes les viandes de mouton, on a donné aux voisins, aux pauvres. Il nous reste que juste une petite partie. Le prophète, il a regardé, viens. Qu'est-ce qu'il reste? Il dit, voilà, juste il reste ce petit parti. Le prophète, il dit, non, c'est à l'inverse. Il nous reste le grand parti qui est déjà parti. C'est-à-dire, ce qu'il reste, il ne va pas rester, on va manger. Mais ce qu'il va rester, c'est le grand parti qui est déjà, on a donné aux autres. Sallu ala Muhammad wa ala. Allahumma salli ala Muhammad. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العلي العظيم بقرآننا بنبينا بدماء شهدائنا بدم المقتول بكربلاء يا الله يا الله اللهم اشف مرزانا وسلم مسافريننا وصحح ديننا ودنيانا اللهم أجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من الشهداء في رقابه اللهم صل على محمد وأهل بيته وصلى الله على محمد وأهل بيته صلى على محمد وأهل بيته يا الصلاة والسلام عليك يا مولا يا محمد المصطفى أحمد المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء، الصلاة والسلام عليك يا باعث الهدى، الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، الصلاة والسلام عليك يا ابن رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، الصلاة والسلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، الصلاة والسلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، الصلاة والسلام عليك يا جميع شهداء كربلاء وجميع أسيران كربلاء، الصلاة والسلام عليك يا مولاتي يا زينب أم كلثوم، الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبو الفضل العباس، الصلاة والسلام عليكم يا أولاد الحسين، الصلاة والسلام عليكم يا أصحاب الحسين، الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا علي بن الحسين، الصلاة والسلام عليك يا غريب الغرباء، الصلاة والسلام عليك يا مؤمن الضعفاء والفقراء، الصلاة والسلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء، الصلاة والسلام عليك يا أنيس النفوس، الصلاة والسلام عليك أيها المدفون بأرض طوس، الصلاة والسلام عليك يا سلطان الأرب والعجم، الصلاة والسلام عليكم يا أبائك السبت وابنائك الأربع، الصلاة والسلام عليك يا مولاتي يا معصوميكم، الصلاة والسلام عليك يا قائم آل محمد، الصلاة والسلام عليك يا صاحب الأسر والزمان، اللمان 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 من فتنة الزمان، الصلاة والسلام عليك يا دافع الظلم والعدوان، الصلاة والسلام عليك يا شريك القرآن، الصلاة والسلام عليك يا مظهر الإيمان، الصلاة والسلام عليك يا قطع البرهان، الصلاة والسلام عليك يا خليفة الرحمن، الصلاة والسلام عليك يا إمام زماننا هذا، أجل الله تعالى فرجك، وسهل الله تعالى مخرجك، وزهورك ورحمة الله وبركاته، اللهم